Sur scène, une fontaine à eau, des archives, un fauteuil de bureau, mais pas de bureau justement. C'est pourtant le titre de cette pièce dont l'idée a émergé dans la tête de Benoît, qui a gardé des souvenirs impérissables de sa vie antérieure de bureaucrate. L'idée, c'était un peu cette observation de tout cet univers-là, qui est finalement un univers qui est relativement absurde. C'est-à-dire que ça a l'air très réglé, très organisé, et c'est très réglé, très organisé, mais en même temps, cette organisation, parfois, confine vraiment à l'absurde, puisqu'il y a des jeux de posture, notamment en réunion, c'est la meilleure illustration. Il y a des jeux de posture où les gens sont là pour vraiment jouer un rôle. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du simulacre, alors qu'on est sur du temps de travail. Surenchère dans l'absurde pour créer un effet comique, un mode d'emploi humoristique pour échapper à l'aliénation du travail de bureau. On nous véhicule à longueur de temps que le travail, c'est l'émancipation de l'individu, et c'est pas du tout ce qu'on veut raconter. Nous, ce qu'on veut raconter, c'est que le travail, c'est pas forcément l'émancipation de l'individu, et que l'émancipation de l'individu, elle se situe aussi dans la capacité à imaginer, à s'évader, à concevoir d'autres univers que celui qu'il vit au quotidien. Bureau, c'est la première création de l'agence Primate, un collectif protéiforme rassemblant des cultureux de Caen, œuvrant dans la photo, la vidéo, les arts plastiques, les performances et le théâtre. Rendez-vous donc à 20h ce vendredi au Volapük pour les découvrir.